Putain, les gars, j'ai failli cliquer sur fin du stream. Incroyable. Salut YouTube, nouvel épisode de Let's Play incroyable, At Dead. Sur Twitch, évidemment, re-Twitch, compagnie de Varek et de Hérou et de plein d'autres personnes qui sont là. Tranquillou. Il y a un os giveaway d'ailleurs. Incroyable. Putain, les gars, vous avez tartiné mon chat quoi. Un truc de dingue. Ah, pendant que j'y pense, maintenant, je vais dire début de vidéo. Si tu vois ça sur YouTube, parce que je connais les gens, ils vont rarement jusqu'à la fin de la vidéo. Tous les liens dans la description. Parce que les gens qui regardent 15 minutes de vidéo, qui font t'as pas Twitter, t'as pas Discord, t'as pas Instagram. Si, tout dans la description. Donc voilà, tu déroules, tu cliques où tu veux. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, les gars, Walking Dead. Oh là, les gars. Donc, je vous lis les gars, hein, désolé, je vais essayer de m'introduire dans la conversation. T'aimes bien là. Ok, bon les gars, faites votre vie, hein, faites votre vie. La vidéo d'avant, je pense que je vais appeler Popcorn, vu que j'ai balancé de la dynamite dans des champs de maïs. Pour une solution entre des vidéos, ça s'intéresse pour une vidéo. C'est pas sûr. Bonsoir. Oh, mais les gars. S'il vous plaît, pourquoi vous me tendez des pièges avec vos pseudos comme ça? Alice Chan? J'ai lu Alice in Chain quand même, le gars a pas du tout. Enfin, genre musique, tout ça. Alice Chan, Reine des Wickets, bonsoir. Absolument trop long, désolé, même Hérou l'a fait. Ouais, Hérou, t'as pas d'excuses, hein. Tu fais un petit hat, et hop, tu peux nommer les gens. Pas d'excuses, les gars, moi je peux pas hat vocalement. Alice Chan, ok, d'accord, bah ce sera Alice, hein, ça te dérange pas. Bonsoir à toi, bienvenue parmi nous. A chaque fois que je dis ça, je trouve ça ridicule parce que je me dis que c'est un chat à dire bienvenue parmi nous, ça fait genre blague nulle. Pourquoi ce brouillard? Du coup les gars, vous êtes à fond sur discussion jeu de zombies tout ça. Vous parlez de Days Gone. Chut. Non. Et pourquoi c'est toujours le streamer qu'on culpabilise? On est marre. J'ai vu un mec, enfin j'ai pas vu, je suis tombé sur cette vidéo sur je sais plus où, Twitter je crois. Il y a de la grêle dans Red Dead les gars. Ah ça... Have some respect. Just leave me be. Ah, excusez-moi mec. What the fuck? Est-ce que j'aurais fait tomber la croix ou c'était scripté? Bon désolé. Du coup enchanté. Justement, je pense à Hero parce que je me dis tiens toute l'équipe est là mais il n'y a pas Hero. J'espère qu'il va bien. Du coup ouais, enchanté, bienvenue. Bon, t'es déjà un clou dans la famille, c'est bon. Bon, Days Gone, ouais, du coup, je suis hypé sans être hypé. Faut savoir que je suis pas sensible à la hype. Sauf Spider-Man. J'avoue que lui m'a hypé, c'est enfoiros. Mais je suis pas hypé comme. Tu sais, comme. Comme la hype fonctionne, tu vois. Plus c'est hypé, enfin, plus c'est hype et moins ça me plaît. Il y a genre cet esprit rebelle, tu vois, en mode. Tout le monde kiffe, donc moi non. Non, des fois c'est un peu teubé, mais en général c'est vrai que je me tiens éloigné de tout ce qui est trop en mode hype. Mais faut voir, donc là c'est 50-50, ça peut m'intéresser. Après, il faut de base, je suis pas très jeu de zombies, etc. Tu vois. Mais je réponds même pas à l'autre qui me salue à l'entrée du camp, je m'en balèque, mais. Je fais une 2000%. Ouais, t'as le putain, mais pas nuit. Ah! Écoute, j'espère que tout va bien. Enfin, toujours con de dire ça quand on vient à l'hôpital, mais enfin, tu me comprends quoi. D'accord. J'espère que ça vient, ça va du mieux que tu vois. Arthur, are you busy, Arthur? What? Le salut de well, notre part. I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words, part, je me suis not of action. De parler pour tout le monde. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've
C'est très bien, Hero. C'est très très bien. Ta présence suffit. C'est très gentil d'ailleurs de penser de le vouloir. Mais préserve. Préserve tes deniers. Vraiment. C'est... La présence et l'interaction, c'est le principal. Vraiment. Évidemment, je ne vais pas cracher sur tous les dons qu'on a fait jusque-là. Ça m'a permis d'acheter plein de jeux. Et encore merci pour tout. Mais. Si tu veux choisir entre quelqu'un qui fait des dons, qui sub et qui parle pas, et quelqu'un qui parle mais qui donne jamais rien, je préfère forcément quelqu'un qui parle, tu vois. Mais en tout cas, merci rien que de l'attention. Mais mon cheval. Il devrait sortir quand? Il devrait pas sortir cette année, Days Gone? C'est quoi? Merci beaucoup, Lenchan, Rodney Geekette, pour le follow. Je parle beaucoup trop fort. Merci, merci, merci. Ça fait extrêmement plaisir. Ah bah, regarde, tu m'as. Regarde, t'as fait bugger mon truc. Et ton pseudo qui déborde. Incroyable. Vous savez quoi, je pense que je vais finir par le faire en bandeau le truc. Je pense. Tac. Follow. Et ça fait quoi? Y'a pas moyen de faire un... Putain, je sais plus les gars comment on fait un... Un bandeau déroulant. Du coup, t'as oublié de faire genre ça. Non, c'est trop petit. Moi, pour que tu vois ton pseudo en antique, ça déborde pas comme ça, c'est dégueulasse quoi. Comment je m'occupe de mes viewers? Je fais ça vraiment en mode. Sur un. Non, ça c'est. Ah bah bravo. Voilà. Je fais ce que je peux, hein. C'est genre à l'équivalent de 3 cm sur mon écran. Tac. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux! Il faut mettre du mur au bout du pas pour pas que le gratin colle. C'est fou. Encore une ref. Putain. J'en peux plus. Ah pardon. Au début je devais m'appeler juste Alichan mais c'était déjà pris apparemment. Ah bah c'est compliqué ouais. Ah. La phrase que tu comprends pas, c'est forcément Kaamelott. Ouais, ça passe juste, hein. Le super stop. Regardez cette prestance. Hop. Ah, j'en peux plus. Du coup, ouais. Qu'est-ce qui est petit et marron? C'est pas. Now, I was saying something. Oh, il parle l'autre derrière. Ah, marron. Si c'est ça. Ok, donc vous avez tous la ref. D'accord. Attends, je suis fan de ce genre de van. Hein. C'est une ref ou c'est juste une van pourrie? Ah, pourrie dans le sens bon côté. Hein. C'est petit et marron. Ah, les gars. Mais c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on veut de plus sincèrement? On a des vannes pourries dans le chat, c'est parfait. Bonjour Alden, on est là. Bon, j'avoue, j'ai du mal à suivre l'histoire ce soir. Attention, d'où par la droite. Que de poisson. Enfin, que de cheval. Enfin, que de cheval, bref, on a compris quoi. Et le panneau. Ouais, j'ai fait exprès. Ah. Stop le stream. Ou sinon, je fais un stream Kaamelott. Vous pensez quoi? Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions off. Ah. Vas-y,
Putain, tu sais pas quoi faire le soir, va surtout le regarder, tu verras, c'est marrant. Bah écoute, j'espère qu'en 10 minutes, il avait pas tort. Bah ouais. Après, on a pas forcément tous le même humour, hein, mais effectivement. Tu fais deux gadingues de cheval et on se prend la poire. Tu sais que sur Discord, j'ai trouvé un bot Camelot. Je fais citation, ça me sort une phrase de Camelot au hasard. Putain, mais les gars. On arrête pas la progrès quoi, 2019, bot Camelot. Ah, je peux pas sauter quoi. Ah si. Je vais sauter sur la table. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai juste envie de sauter sur la table. Le chat est plus marrant que le chat. Non, c'est une bonne remarque. Non, pas une vanne, tu vois. Ok, d'accord, ça balance. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Ah, je confirme, Alice. Je confirme. Bon, encore faut-il quelqu'un qui a un potentiel. Je dis pas que je suis extrêmement drôle. Effectivement, tu mets quelqu'un d'extrêmement chiant sur le jeu, je pense pas que le jeu va être drôle. Mais, comme beaucoup d'open world et c'est Rockstar encore plus, c'est une source intéressable de situations cocasses. Pouvoir respirer la compote, ça fait que c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, ouais, je l'ai fait un peu trop fulgurant aussi. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Or should, non? Should I say, adieu? Oh, adieu, Josiah. Donc pour reprendre un peu la discussion sur Days Gone, parce que là-bas c'était parti de là. Ouais, les vidéos ont l'air sympas, mais ça reste des vidéos et c'est très scénarisé, même de la façon dont ils jouent. Pour un game, sachant qu'il y a quand même une grosse vague de jeux de zombies, donc voilà. Et c'est développé par qui déjà? C'est Ben Studio ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est Ben Studio. Le banquier est tellement moche, on dirait que c'est lui qui s'est pris l'arbre. C'est bizarre, hein, la typo du prénom du gars était pas même que le reste du texte. Okay, let's go, this way. Très bonne remarque, je n'ai pas fait gaffe. Bien vu. Effectivement, c'était choquant un peu le visage alors que tout est de ouf visuellement, mais bon, bref. Du coup, ouais, je crois que c'est Ben Studio, je sais plus, mais je crois que du coup, enfin, quasi sûr que le studio qui fait Days Gone. C'est les gars qui ont fait Siphon Filter. Siphon Fighter ou Siphon Fighter, j'en sais rien comment ça se dit. Sur PlayStation. PS2. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont fait le fameux BBZ 3D. On est rejoué la dernière fois, un curé faisant sa rengaine, et ce qu'à toi et à moi, il roi sorti ses caramines, il a parlé de mon père, il l'a buté après. Mais ouais, tu vois, pour peu que t'as de la chat et des répliques, etc., il y a trop moyen évidemment de faire des situations marrantes, tu vois. Avec la bonne réplique au bon moment. Ça c'était moi tout à l'heure. Ouais! Petite musique initiale dès là. Here we are. This is the spot. Mm-hmm. Okay. Ouais. Un PNJ sur une charrette, ouais. T'étais pas là à ce moment-là, mais. J'ai eu ce genre de situation. J'avoue que j'ai un peu forcé le destin. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work.
And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if everything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Ça va forcément mal tourner, on est d'accord. Quoi, cette musique-là? There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Oh, j'ai pas vu ces vaches-là, si. Ah si. Ah si. J'adore, je suis en plein suspense. Ouais, bah, j'ai compris, je suis pas... Il prend pour qui le gars? Incroyable. Not at all. Le relou, tu sais. I'm preparing. It's a free country. Did you say a show? Ouais, c'est, encore c'est rien ça, héros. Mon ancien héros premier. Ils sont épris tellement dans la gueule et il est mort à cause d'un train. On a vécu des fusillades, on est tombé de canyon. Et juste parce que. Je l'ai laissé sur la voie et j'ai voulu prendre le train pour pas faire le trajet à cheval. Et malheureusement, le cheval est mort pendant la cutscene en fait, du train qui est parti. Voilà, ça a pas supprimé mon cheval de la voie. Quand je suis à destination, j'ai vu que mon cheval était pas là et que son cadavre était à la précédente ville. Et d'accord. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ça m'est pas arrivé en vidéo. J'ai moins d'affinité avec ce petit EOS 2, tu vois, forcément. Oula, 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 héros. Crackdown. C'est con, hein. J'irai Mario Party forcément à plusieurs, hein, ça me paraît évident, n'importe lequel. Enfin, les principaux sur N64. Mais Crackdown, tu vas peut-être trouver ça bizarre. Mais parce que je l'ai fait en coop X fois et surtout on a passé un an de temps avec mon meilleur ami sur Crackdown. Et c'est un jeu en coop et tu peux tellement te taper des barres pour un oui, pour un non parce que les situations sont trop drôles et la physique est trop drôle. Il y a des jeux comme ça où je pouvais rire vraiment, j'en pouvais plus, je chialais quoi. C'est Crackdown qui me vient le premier à l'esprit. Ah, je l'ai. Je les ai tous. Je suis en quête de les finir. Un jour peut-être. Voilà. Propre. Elle peut pas la fermer. Bah là, je serais bien tenté de lui tirer une balle. Mais j'ai pas sauvegardé. Donc ouais, les MX en fait avec les crashs sont très très drôles. Après les flat out, t'as vraiment le fun, tu vois, de taper des barres au sens vraiment amusement flat out sur Xbox 36, flat out 1, flat out Ultimate Carnage 36, plus récemment Breakfast. Stop, stop, on en peut plus d'elle. Mais en matière vraiment de fou rire, vraiment ouais, situation c'était clairement Crackdown, je pense. Enfin, c'est celui qui me revient le plus. Hein. Après il y en a d'autres, Ghost Recon Wildlands. Je vais pas faire de la. Pas faire de la pub, etc. Parce que c'est pas mon délire. Mais si tu vas sur ma chaîne YouTube, Hero, et tu cherches Ghost Recon Wildland Gamaliel, je pense qu'il tombe dessus. J'ai fait deux vidéos sur la bêta ouverte, ou privée. J'étais avec mon meilleur pote. Alors la qualité dégueulasse parce qu'on avait pas du tout prévu de capturer. J'ai capturé comme ça juste pour nous, pour faire des rushs. Et à force de cutter en fait et de dérusher, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des situations marrantes. Et j'en ai fait une petite compile, pas rien de ouf. Hein, on n'est pas sur de la compile machin like, t'as vu. Mais elle me fait rire. Ça donne un petit aperçu de ce qu'on. De ce que ça donne moi et lui sur un monde ouvert, tu vois. Non, les gars, arrêtez d'être violents comme ça. Regardez, ça se passe bien. Moi j'aime beaucoup Star Wars, The Old Republic, je joue un site, c'est l'occasion d'avoir beaucoup de fou rire. Tu sais, j'ai jamais fait les Kotor. Pareil, ils sont ouf parce que c'est BioWare. Hein. Mais j'ai jamais fait les Kotor. J'en ai un. Non, je crois pas. Mais ouais, c'est bien, oui.
c'était juste ça en fait, la caméra. Du coup, on divise. Du coup, je ne peux que te croire, Alice. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy, teamwork. Here you go. Thank you. Ah oui, attends. Ah oui, Old Rep, non, Star Wars, Old Rep, c'est toi. See you soon, Arthur. Attends. Ah oui, c'est Knight of the Republic, c'est KOTOR, et Star Wars The Old Republic, c'est que les mots. Exactement. Bien vu, bonne correction. T'as raison, j'ai de la merde. Bah, j'ai pas fait non plus. Je sais qu'il y a pas une version gratuite. Genre jusqu'au niveau 10. Non, y'a pas un délire à la WoW. Okay, boy. Me semble, je suis pas sûr. Peut-être tu donnes la bouffe à ce foutu cheval. Comme ça, Hero arrêtera de crier à la torture animale. Voilà, une petite galette. Ah non, on est bien. Du coup. Ah. Toc toc, tic tac. Je suis vraiment plus près. Si, il y avait une version gratuite. Ah, voilà, bah peut-être à l'occasion. Bon, les mémos, j'ai vraiment du mal. Je dis souvent en live et tout, mais les mémos, j'ai vraiment du mal. C'est pas vraiment le truc qui me botte en fait, déjà, parce que je suis quasi un joueur solo. Quasi que un joueur solo, voire cop, mais cop narratif. Et en fait, j'ai du mal à être vraiment emporté dans les mémos. Tu sais, j'arrive pas à m'identifier au truc et tout. Du coup, je suis difficilement client. À part Elder Scrolls Online, parce que c'est Elder Scrolls et puis c'est médiéval, etc. Et encore, je passe pas m'habituer. Ça doit faire peut-être 2 mois que j'ai pas joué, je crois. Mais voilà, du coup, au WoW, j'ai joué pour la culture, tu vois. Mais j'ai joué genre l'année dernière. C'est la première fois que j'ai joué à WoW, c'était l'année dernière, quoi, en 2018. Et c'est juste pour la culture, tu vois, je suis perdu. Je pense que je préférerais jouer à la version vanilla, la version classique qui vont sortir, je pense. Ça me permettra d'avoir une expérience un peu plus originale, tu vois. D'ailleurs, Winter, oui, je l'ai sur PS4. On voit The Assassin's Creed avec une mobile, j'ai plus les vaches. A fellow with a scar and a Mexican. Ah ouais? Yes, sir. Non, c'est stylé. Lolilol. Lolilol 2-0, revenu futur. Merci beaucoup de follow. Du coup, Lolilol. Pourquoi ce pseudo m'interpelle? Okay. En tout cas, merci beaucoup du follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue, bonsoir. Alors, comme tous les mémos, non. Enfin, oui, enfin, je l'essaye comme ça, mais non. Enfin, c'est pas un jeu où tu pourras me trouver régulièrement, tu vois. C'est clairement pas, tu vois. Tu as plus de chances de me trouver sur Wreckfest sur PC ou un Forza sur console, ou peut-être Red Dead en multi, même si je l'ai pas encore testé. En multi, je veux dire, que sur Neverwinter, clairement. En vrai, là où tu as le plus de chances de me trouver en ce moment, c'est sur Yadze sur Android. Ouais, je suis addict. Pas faute à ma soeur. Donc si vous voulez d'ailleurs, hein, Gamaliel, cherchez Gamaliel sur Yadze. Je sais pas si c'est compatible iOS, si on est le même serveur, je pense que oui. Mais du coup, Yadze, Gamaliel. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, deux geeks qui s'en sont bien trouvés. Ah bah oui, bah c'est sûr que comme ça. En plus c'est assez ciblé quoi, Star Wars, bon. You turn up in this town, and you're helping everybody. And everywhere. And have you met my partner, Arthur Morgan? Ah, incroyable! Une vieille connaissance, j'ai reconnu la voix. Ok. Mr. Gray, oh, c'est stylé. Problems with a family. A family of degenerates. Non, désolé, héros. J'ai que le premier. J'ai testé le 2 en bêta. Pendant mon live de 24 heures, en juillet dernier. J'ai eu sur le découvrir et j'ai refait un week-end gratuit là-dessus avec mon meilleur pote. On a un peu squatté. Je sais pas, on a beaucoup souhaité le premier. Il y a un truc qui nous. Je sais pas. Ça nous a pas botté, tu vois. Mais je peux l'avoir sur Xbox One. Mais je pense que tu joues sur PS4. I'm Scottish. And the Braithwaites. Goddamn peasants. I don't know. Ouais, c'est très dur de me capter en ligne en fait pour jouer avec moi. Déjà, mon propre meilleur ami déjà du mal à jouer avec moi. Donc, si, ah, si, tu peux me croiser sur Paladin PS4. Alors, Paladin PS4, là, clairement, il y a très moyen d'y jouer. Clairement. Très moyen d'y jouer, c'est pas. Pour horses. Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses?
over in Clemens Cove. Fellow over there will run him out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Feu PBG fut un temps. Bah ouais, mais fou. Je voulais, en plus, je voulais le faire avec mon meilleur pote, pareil. Hein. Bah, toi, tu sais d'ailleurs, pour me capter en ligne, c'est la merde. PUBG, je voulais qu'on découvre les maps et tout. Et du coup, là. Faudrait qu'on se refasse ça, en plus. Il a pas joué à PUBG depuis un petit moment. Vara avec lui, c'est ce que c'est. Il a connu l'enfer. L'enfer, c'est Gamaliel plus Butcher. Donc, ton meilleur pote. Ensemble sur le même jeu. Ça, c'est l'enfer. Et là, on en a fait des refs, hein. Mais là, il y avait personne. D'ailleurs, il y avait Jojo Banane et toi, Varek, qui vous pétez un plomb. Du coup, il parle. Il me faut le tour en triple. Voilà, ça, c'est des rêves que vous avez pas. Mais lui et moi, on peut se taper des barres. Je suis sur PS4, moi. Bah, nickel. Bah, vraiment, le jeu. Le jeu que tu peux me trouver, c'est pas là, hein. Si tu joues sur PS4. On joue sur toutes les comptes. Enfin, PC, PS4. Surtout PS4, c'est mon compte principal, vraiment. Mais c'est un peu pour. Parce que faudrait streamer avec d'autres personnes qui sont sur PC. Xbox One, j'ai testé, mais sans plus. Après, je joue pour le délire, hein. Attention, je suis pas en mode compétitif. Moi, je suis là en mode. Enfin, j'aime pas perdre. Il y a un moment où tu joues objectif, un petit peu pour t'amuser, tu vois. Mais voilà, je veux dire, je joue quoi, tu vois. En mode. Pas ma vie. C'était chiant week-end, l'enfer. Mais vraiment, l'enfer, j'ai pleuré. Ah, bah nickel, les roues, faut savoir ça. Ouais, Varek, écoute. Faut qu'on ait un poste de dispo aussi. Enfin, non, on peut le faire à deux, etc. Mais. En fait, c'est compliqué. Ça me dérange pas de perdre. Si c'est justifié, tu vois. Genre, grosse team, ma team joue bien, etc. On perd, je suis bon, balèque. Je joue un jeu de cage, j'arrive deuxième, gros balèque. Tu vois. Mais les jeux objectifs. Quand t'es seul à jouer l'objectif, oh c'est roule. Les healers qui healent pas, les tanks qui tankent pas, tu fais des gars, qu'est-ce qui se passe quoi. Sachant que je suis mauvais en multi, et encore plus au FPS. Et avant quand tu finis toujours avec son de la partie, y'a un problème quoi. Mon partenaire voulait faire un significant investissement dans des stables ici. Mais peut-être que nous devrions regarder ailleurs. Ok, alors. Je suis un rebelle, moi. J'essaye en plus de former Butch, un paladin, mais il a vraiment du mal. C'est pas du tout son délire. Mais ça serait bien d'avoir un car en forme. Oh, les gars. Il se comporte pas bien son cheval à gauche, hein. Faites un plomb un peu. Eh bah, c'est très bien, Sayrou. Très très bien. C'est quoi ton PSN? Gamaliel GCG, comme mon pseudo Twitch. Alors, non. Non, Varek. Tu te transformes en poulet seulement quand t'as Pip qui t'envoie une attaque à la con. Là. C'est tout. Mais non. Tu peux mourir sans te transformer en poulet. Beaucoup de joueurs qui m'ont croisé peuvent te confirmer. Du coup, ouais, Gamaliel GCG comme ma chaîne. Hein. Non, parce que Gamaliel, c'est. Non, en fait, c'est moi, mais laisse tomber. Ouais, mais exactement, je pensais à ça. Je pensais à ça, Alice. Déjà tout à l'heure, je pensais à ça. C'est le mec, regarde. Il passe par-dessus, mais on sait très bien que c'est ouvert. Et voilà. Ok. C'est moi, il y a de plus en plus de bugs sur Red Dead. On va tester un truc. On va mettre le cheval. On peut pas mettre le cheval. Bon, il n'y a pas de physique sur la porte. Enfin, sur la barrière. Si tu prends l'élan et que tu t'amuses à jumper comme ça, la porte elle bouge. Hein. Clairement, ça finit. Ça finit mal. Ah! Ah, j'ai pas. Ouais, Rim Royal. Royal Realm, j'ai fait que deux games. Ça me plaît assez pour une Battle Royale, j'aime bien. Il faudrait que je approfondisse la chose. Pas le freinier. C'est vrai qu'il est un peu pâle, ce freinier. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here?
You, Scarface, and your greaser buddy. Oh, ça balance. I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs looking to do some breedings. Come on now, partner. Je préfère MES siège. À siège seulement si j'ai des gens. Si. En fait, en général, il y a toujours deux pour Paladin. Donc, il y a moi qui joue DPS. Tu vois. Je ne suis pas un bon joueur, je ne peux pas comprendre. Et je me fais heal. On est au top. Enfin, on est au top. À notre niveau, évidemment. Je ne prends pas pour un PGM e-sport. Par contre, en siège, deux. C'est compliqué. Parce que tu peux pas carrer la game siège à deux tout seul. Enfin, deux en healer DPS, c'est trop compliqué. Du coup, j'évite de jouer en siège, vu qu'on est que deux. Mais trois, je pense que c'est bien. Ah ouais, ce fameux Fallout. 47Go de patch, c'est un jeu quoi. C'est quel jeu d'ailleurs qui demande d'être installé là? Je sais plus. Un jeu qui demande d'être installé totalement. Bref. Bon, Fallout, c'est les développeurs qu'il faudrait patcher. Hein. C'est beaucoup sur l'ambition de la manuelle. Est-ce qu'on pourra jouer ensemble sur Paladin? Ça dépend, il y a des jours j'aide beaucoup et des fois pas du tout en fait. J'essaie d'y passer de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas assez. Ça c'est clair que je suis pas assez. Mais effectivement qu'on pourra jouer, t'inquiète hein. Bon, ce sera pas dans l'heure ou dans les 48 heures, hein, mais on pourra s'organiser ça, vraiment. C'est quoi plutôt tes créneaux sur la discrétion? Des fois ça m'arrive de jouer un peu en off après le stream des fois. Sinon le week-end, souvent perso. Il est musclé de ouf. Il est au stéroïde lui. Et le cheval de The Rock. Quoi? Oh les gars, on peut plus maintenant prendre son temps. C'est incroyable hein, quand même. Jusqu'à la fin de la semaine dernière. Jusqu'à la fin de la semaine t'aurais quoi? Ok. Bon, y'a moyen, écoute. Non, stop. Forcément. Voilà, tac tac. Pourquoi y'aura moyen de faire ça? Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, j'ai embrayé sur autre chose. Mais... Relax, boy. Come on. Good boy. Easy there, easy. Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Whoa, now easy. Tu te calmes, l'ami. Take it easy there. Shh, boy. C'est ouf ça, comment j'ai galéré là. Allez, let's go. Marston, you ride point. I'll cover up the back if there's any problems. Ça fait beaucoup de chevaux, hein, pour si peu de personnes. Okay. Ah, c'est pas dégueu, hein. What are you doing? Let's go, ah. Quick. Go, get out of here. I got what the hell are you doing? Stop! Stop! We'll be ils sont clairement la connerie, hein. Stop these men! Stop! More coming this way. Ah, je sais pas pourquoi, je sens pas... What? Ils sont pas à cheval. Non mais arrête de tourner. Ah. Avec les chevaux de... Bien joué. Avec les chevaux devant c'était compliqué. Ah c'était ici, ok d'accord. Ouais beaucoup de chevaux, beaucoup de chevaux. Parce qu'ils sont individuellement. Beaucoup. Tu vois. Effectivement, beaucoup de choses. Ah, c'est bon, un cadeau, des cadeaux, tu vois. Pas des cadeaux, un cadavre. Ah! Un bataille des bateaux, évidemment. Des poteaux, un potal. Le mec qui a dégagé un monétisme. Ah ouais, non, mais il était là en plein milieu. Non, pas du tout, en fait.
T'es là, tu tires sur les gens, t'as même pas de cheval. Nous on a des chevaux. On en reste 5. C'est bon. Il manque c'est plus rien. Je suis pas. <C'est... rire> Vous sentez comment ça part en cacahuète avec les chevaux là? Ah, c'est le coup des cordes là, je sais pas, y'a moyen de faire bugger d'où. Un coup pour rien. Attention, rediffusion pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure. Il y en a un derrière. La caméra, s'il vous plaît, parce que là. Ah merde. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, si je tire derrière, il y a des arbres. Incroyable, je vois plus rien. C'est bon, je suis là. Là, c'est un bocal en choix. Quoi? Encore un? Merde. C'est un truc de ouf, t'es dessus, tu tires, t'es au-dessus. Bordel. Eh merde. Calme toi. Quelle mise en repère, t'as vu? Ah, la corde, la bug. Bon, c'est bon, tu te calmes. Mais tiens. What? Salaud! Heureusement qu'il m'attend. Attends, je veux savoir s'il s'enfuit. Ouais. Oh non. Ah ok d'accord, il chie au calme. Ah merde, c'est vrai que ça y est, vous avez fait de l'angle, puis ça, ça peut être plus obscène. Je vais me coucher, bonne nuit. Merci Varek d'être passé, merci beaucoup, repose-toi bien, demain peut-être bien. Oh, regardez-moi ce sous-bois. Incredible. Oh, c'est trop classe. Oh là là. Au secours quoi. Magnifique. Oh là, ça a failli. Allez, ref, c'est full camelot quoi. Tout le monde est full camelot ici, c'est un délire. Attention le lapin! Désolé. C'est pas un lapin. C'est pour ça que j'ai écrasé. Donc le lapin est en voie de disparition. Faut qu'on tellement de merde. À la corde, heureusement qu'ils l'ont pas fait trop à l'aise parce que ça serait vite trop loin. Ah, vous êtes vraiment des gens, une source intéressante. Waouh, 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 waouh! Ça, ça sent le copier-coller de ton Discord, non? Ah, tu t'es fait. Tu t'es fait calmer par la limite de caractère. On veut la suite. Non mais c'est vos livres de chevet, les répliques de Camelot, c'est un délire quoi. What you boys want? Heard you was heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That's so? Okay. Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. Wikicote, c'est bien. John. Oh, c'est bien ça. Arthur. Javier. C'est honnête. So what are you? Vous avez quand même une sacrée Cuban? No. I don't like Cubans. That's so? Maybe. Why, what do you care?
You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. La bouche grande ouverte. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours. But I like you, and I'll give you... I can give you 650 for them. No, what do you do? I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But I like you boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Oh, trouvé plus. Here, take it or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys, but nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. $100 divisé par je sais pas combien. Close mais... again, Clive. Non, c'est possible, effectivement. Effectivement. Yarns spun up by one of that Gray family. Imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize. Mon chat se transforme en une collection de répliques de Camelot. Nous paierons des chevaux, ils paieront les chevaux volés plus cher qu'une écurie, mais vous paierons bien moins les, pour les chevaux achetés. Logique. Je pense pas qu'on a le temps de lancer une petite mission. Il reste quoi 10 minutes. Morning, Arthur. Arthur. Il reste 10 minutes. It was fun going out and working with you, Arthur. I've seen too many friends get killed to see it as quite so fun. Well, rather be shot for an ça me dit quelque chose, zéro. Reckon it's about the si, il y avait je sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonnait bien. Maybe. Un truc comme ça. Anyway, it was fun. Sure. Ouais, c'était fun de Breaking Bank. Non, c'est pour passer à l'autre jeu en fait. Enfin, Red Dead, ouais, j'arrête. Parce que je me dis, là, relancer une mission, c'est quand même relativement long. Il me reste grosso merdo un quart d'heure. Mais si j'en se la pose à 55, je reviens pour 22. Donc, ouais, Red Dead, c'est fini pour ce soir. On va passer sur Dirt 2. Jusqu'à 23, hein. T'inquiétez pas. Du coup, relancer une mission maintenant, ça risque de tourner à je sais pas combien de. Tu vois. Je pourrais déborder sur Dirt 2, c'est vrai. C'est combien de dollars là? Je sais plus comment on voit. Ah ouais, c'est vrai que j'ai plein de défis, un miroir de poche, la bardane. Oh là. 3498 dollars. C'est cool ça. I know. Il mélange carrément les gars adaptent maintenant. Le problème c'est que les victoires du monde ont une pleure. Victoire Esmondis, Mondis le clair. Oui c'est ça. C'est ça. Toi, je joue que le latin, c'est ça va en fait. Il y a des trucs en latin qu'on comprend bien. Et... d'autres pas du tout. Incroyable quoi, les viewers adaptent les répliques. Vous voyez ce cheval? Non. Mais arrête d'engueuler le chien, tu veux que je te mette une patate? T'as un problème toi? Hey, cut that out! I despise that dog. J'aime pas ta gueule. What is wrong with you? De provoquer encore là. Regarde, quoi tu. Je peux pas lui mettre une patate? Je peux ni le saluer ni le provoquer. Always in the way, ain't you? Oh, t'as de la chance. T'as de la chance. Du coup, ouais, deux vidéos de mission. Hein. Putain, j'avais trouvé un titre. À un moment dans cette vidéo, je sais plus. L'autre, ouais, c'est Popcorn. Yeah. Hein. Mais. C'est une mission, je sais plus quand je voulais l'appeler. Bref. En plus, cette mission, elle est où? Ah ouais, on va aller là, ça va prendre 30 ans. Non. C'est ouf, hein, les missions sont très très longues. Bon, on discute beaucoup, mais tant mieux. Ouais, si tu veux, hein. Je garantis rien, mais.
bien. Voilà. Ah, pauvre cheval. On va éviter de le buter. Oh, on peut pas tirer sur son cheval d'ailleurs. J'ai remarqué, on ne peut pas. J'explique qu'il résiste aux fusillades. C'est bizarre parce que tout le jeu est très réaliste. Et tu ne peux pas buter volontairement ton cheval. Sorry, boy. Ah, faut vraiment que je récupère l'intégrale et que je regarde. Là. J'adorais avec Kaamelott. J'aime moins la série de son frère. Hero Corp, je crois. Parce que j'ai de la merde, désolé, hein, c'est le cas. Carotte. Yeah, okay, boy. Ça, ça en donne pas des masses, hein. Pas ouf, hein. Ah, parce que je suis un abruti. C'est pas la sienne, c'est la mienne. C'est la mienne qui est pas bien. Voilà, c'est mieux. Du coup, sur ce... Ouais, 51, c'est bien comme ça. Le temps de changer de console et qu'on va switcher, on va passer sur la 3.6. Kaamelott, c'est une œuvre de ouf qui nous a... Ah ben, elle est ouf, mais en plus, j'adore ce mec. La l'exoconférence, qu'est-ce que j'adorais, ce spectacle, one-man show. Je sais pas trop, mais j'adorais. Ouais, du coup, je vais faire ça, vu que je dois switcher de console. On va passer sur Dirt 2. Ah, ça promet du non-skill. Je sais pas pourquoi, je me sens pas du tout... dans le mood de faire des bonnes perfs sur Dirt 2. Mais on va faire Dirt 2. Sur ce, du coup, pour ceux qui voient ça sur YouTube, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais bon, il faut pas hésiter à regarder dans la description pour venir nous balancer des répliques de Kaamelott en live. Ah bah tu vois, je savais pas. C'est con, mais je savais pas. Et puis voilà, fin de cette petite vidéo, il est 52. La petite pause qui va bien, on revient pour 22h, je pense, hein, sur une petite heure ou peut-être un peu moins. J'avoue que Jésus qui picote un peu. Et quand Jésus qui picote, j'ai l'accent du sud. Donc voilà, on se retrouve allez, dans 8-10 minutes, grand max. Si la 3-6 ne me fait pas de caprice, et ça rime. A de suite.